Le docteur Niboussi a débloqué un niveau de maladie là maintenant, franchement. C'est un malade. Il ne sait pas encore, mais il est malade. Il a diagnostiqué sa maladie. Bipez-le-moi. Bipez-moi, tonton Claudel. Bipez-le-moi. Bipez ce grand frère. Voilà. Salut. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je fais cette sortie aujourd'hui parce qu'il y a une cuisine des hommes entre Claudel Nimbusier, docteur Med, put the respect on it, et son coucou qu'il a fait à Philippe Simo, à Stéphanie Bida, ma tata, c'est celle que je préfère, à Jean-Paul Pougala et j'en passe pour dire, mettons-nous ensemble, nous sommes des leaders, nanani nanana, construisons quelque chose, ne serait-ce que pour montrer aux petits frères. Bref, il s'est déclaré leader, il s'est déclaré messie, il veut sauver l'Afrique. Et le professeur, docteur, professeur, le professeur a daigné, a quand même répondu. Je mets juste un extrait très court là, ça résume un peu ce qu'il dit. Mais au départ, il lui demande cette collaboration, c'est sur la base de quoi? Tu es quoi? Tu es fournisseur ou client? Point d'interrogation. C'est quoi? Tu es fournisseur, tu es client? Point d'interrogation. Après, bon, moi, je vais faire abstraction de tout ce qu'il y a comme religion, pogalistique là derrière. Il étudie les thèmes comme des disciples. Il parle de carnivores et d'herbivores. Bon, ce genre de trucs, quoi. Voilà, mais on prend ce qui nous aide et le reste, on va laisser. Mais il y a beaucoup d'égomanie des deux côtés. Voilà, bref, de maladie. Et c'est même pas péjoratif le terme maladie. En fait, Noubissier paraphrase Pougala. Et moi, je paraphrase Noubissier parce qu'en fait, voilà, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Et voilà, encore quelqu'un qui est en santé ou qui croit qu'il est en santé, c'est un malade qui s'ignore. Et le docteur Nubisi est un malade qui s'ignore. Et cette maladie, il n'est pas le seul à l'avoir. Nous sommes nombreux à l'avoir. Nous, peut-être, ou même, vous êtes nombreux à l'avoir. Et je vais la diagnostiquer et la soigner. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, quand l'Africain parle, il dit, mon frère, ma soeur, oncle, tu, voilà. Et puis, je vais soigner. Après, je vais vous donner comment soigner cette maladie, en fait. La maladie s'appelle ayant droit. Et elle se formule mieux en anglais. On appelle ça le entitlement. On croit qu'on a droit à quelque chose. On croit que les gens nous doivent. Écoute, grand frère. Docteur Nubissier, Claudel, je t'ai appelé combien de fois? Trois fois. Prends ta main, tu mets sur ton corps et tu dis, moi, docteur Maître, Nubissier Claudel, Philippe Simon ne me doit rien. Stéphanie Mbida ne me doit rien. Professeur Pougala ne me doit rien. Moi, je vais vous raconter mon histoire avec Pougala. Je le connais. Des ingénieurs, des amis que j'avais autour de moi qui ont changé leur discours. Avant, quand on était finisseur, ils disaient, oh, quand je vais finir mon premier salaire, je vais aller en boîte, je vais dépenser 1000 euros, je vais claquer 1000 euros. Après un petit détour chez Pougala, ou après, voilà, le contact avec la religion Pougala. Même pas encore devenu des disciples, c'était juste lire. C'est qu'à l'époque, ils mettaient publiquement, ils mettaient gratuitement sur Facebook. À l'époque, Facebook servait encore à ça. C'était premier salaire, je dois investir. Avant, en Allemagne, les gars étaient des brocantiers et ils envoyaient les voitures, je ne sais pas, de Baujahr, 1960, 1070, ce genre de trucs. C'était des brocantiers. Et Pougala a commencé
apprécié en Allemagne, parce que franchement, on est réceptif ici. Hein? Après le traitement des Allemands, on ne va pas expliquer longtemps pour que tu comprennes. C'est maintenant que tu entends les gens en France dire que oh, j'envoie les conteneurs. Bon, ça, c'était il y a 10 ans en Allemagne. Après, pour Gala, le discours a changé. C'est investi, je vais être entrepreneuriat, agripreneur. C'était lancé. Donc, nous, nous devons ça. Si quelqu'un d'autre a une autre personnalité qui a marché, voilà. Bon, maintenant, s'il y a l'égomanie, il y a la foule des grandeurs, il y a la religion qui rentre. En fait, c'est le champ lexical que les Africains connaissent. Le culte de la personnalité, la religion. Il faut que ce soit passionnel. Il faut qu'aucun souffre, un grand arbre qui tombe comme Docteur Numbisi, il dit, je vais être cet arbre. Il y a un arbre qui tombe et fait des bruits. Moi, on n'entend pas la forêt grandir. Pourtant, le papa a parlé. Il a donné des sagesses là-dedans. Ça dit, on ne fait pas les choses, les grandes choses, au-dessus de tout le monde. Donc, si tu veux collaborer avec moi, ne te place pas sur la place du marché. Mais quand même, par rapport au travail que tu fais, je daigne te répondre. Et le docteur Numbisi qui dit, et je te réponds, je vais être ton disciple si et seulement si à condition le débat public. Vous avez fait le show. Allô, deuil des gens, faire le show. Allô, mariage des gens, porter les robes blanches. Alors qu'on n'a même pas dit que c'était un mariage en blanc. Vous aimez faire le show, attirer les gens dans vos terrains où vous êtes forts. Parce que les autres ont les pop-corn dans la tête. Il y a les forts aux fesses, toi tu es fort dans la bouche, n'est-ce pas? Tu es malade. C'est la maladie, ça. C'est de la maladie de croire qu'il te doit quelque chose. Il ne te doit rien. Et l'Africain doit comprendre. Quand quelqu'un se concentre sur son couloir, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire, il fait son truc. L'Américain va dire, he's doing his thing. Il fait sa chose. Il fait son truc. Il gère ses semences, il gère ses formations. Voilà, qu'il soit maintenant le carnivore et les gens qui forment sont des herbivores, whatever. Il y a des gens qui payent pour ça. À l'époque, les formations étaient à 200 euros. Chaque prochaine session, ça doublait. Mais les gens payaient. Mais tant qu'on paye, pourquoi est-ce qu'il ne va pas continuer à le faire? Toi, maintenant, tu vas, tu dis, tonton Claudel. Clo, voilà. On t'a débloqué un niveau. Attends, même si à quel clash je commence. Je bois d'abord. Voilà. Chaque fois que quelqu'un se concentre sur lui-même, il ne faut pas qu'on prenne ça comme si c'était contre nous. Il fait son truc. Tu fais le tien. Stéphanie fait le sien. Simo fait ce qu'il fait. Critique ou pas critique, il n'y a pas de souci. C'est constructif, c'est pas constructif. On avance. C'est pas forcé, it's not by force. Sois pas forcé la collaboration alors que tu n'as rien à lui apporter. Il te dit, lui, il parle en termes de disciple, il parle en termes de fournisseur, il parle en termes de client. Entre les trois là, choose wisely. Qu'est-ce que tu es? Si tu n'es l'un des trois, et ne conditionne même pas. Pourquoi tu veux conditionner? Si et seulement, si tu veux devenir ton disciple, si on fait un débat public, vais faire le show. Et c'est pas seulement lui, c'est nous tous. Nous sommes tous, c'est notre génération. Après, on se donne des titres de leader, d'élite. Après, on veut rester entre nous. On se rend compte, on a personne, on est leader dans je ne sais pas ce que vraiment il fait en réalité. Startup Academy, où il fait en fait la version moins chère de ce que Jean-Paul Pougala fait, c'est la vérité, disons-le. Mais il n'y a pas de problème, il y en a assez, il y a assez d'herbivores pour les carnivores que vous êtes. Donc du coup, il n'y a pas de souci, j'ai ton couloir. Tu ne vas pas forcer la collaboration alors que tu n'as rien à lui offrir. Et après, on se plaint. Moi, je connais des pays en Afrique où il y a un carrousel au niveau des ministres. Hein? Ce sont des élites, ce sont des leaders qui ont été leaders à un moment donné. Je ne sais même pas vraiment si c'est... Bref, qui étaient les premiers à faire quelque chose dans un domaine ou avoir une vision semblable. Je pense que c'est le mot, c'est peut-être une vision semblable.
Et depuis, voilà, on progresse, on se met devant le soleil et toute personne qui veut avoir droit à ce soleil doit remplir les conditions, à condition que ce soit un débat public. C'est malade, tu as le pop qu'on a dans la tête pour te citer. Bon, prochain truc, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit mon frère, ma soeur et tout. En fait, c'est en fait ça, le entitlement, c'est cette attitude d'ayant droit. Et de croire que celui qui brille là à gauche, c'est parce que c'est contre moi. Il fait son truc, c'est contre moi. Ça part sur la base de notre identité. Nous avons des cultures collectivistes. On mangeait dans un plat. On mangeait chez le voisin. On sortait le matin. On rentrait. Même pas, on rentrait même pas à la tombée de la nuit. Tellement le quartier, c'était notre... En fait, tout le quartier, notre maison, c'était en fait les chambres de notre... On ne peut pas vous expliquer, la nouvelle génération ne peut pas vous expliquer comment l'Afrique de nos parents et notre Afrique était. C'était, on grandissait dans, les gens grandissaient dans des concessions polygamiques où tu ne savais même pas qui est ta mère, qui est ton père. Tu appelais tout le monde papa, tu appelais tout le monde frère. Parce que tu, au cas où, donc, pour ne pas se souiller, mieux tu appelles tout le monde frère, soeur, parce que tu peux finalement vouloir appeler, manquer de respect à quelqu'un. En fait, c'est ta mère. Donc, mieux tu respectes toutes les mamans. Tu peux vouloir maltraiter autrui, alors quelque part, ta soeur, ta cousine, ta, je sais pas, est mariée à quelqu'un de là-bas, tu auras honte. C'est pour ça que nous sommes tous des frères et des soeurs. On mangeait à la main, dans un grand plateau, on vous mettait tout le monde là. À l'Afrique de l'Ouest, c'est encore répandu assez. Tu vois un peu comment on sert le tchéboudièv, 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 en fait, bref, voilà. C'est pour ça qu'on est frères. Et c'est pour cela que, quelque part, les gens se disent que voilà, si mon frère a, c'est moi qui ai, je vais lui dire comment il va faire et comment est-ce qu'il va dépenser son argent, ce qu'il va faire de son temps, s'il doit collaborer, s'il doit m'aider. Et je décide si l'aide qu'il est en train de me donner, elle est suffisante ou elle est comme je veux. Si ce n'est pas le débat public que je veux, je ne viens pas. Pourtant, il t'a parlé en parabole, il t'a expliqué ce nombre de choses. Lui, il est focus sur client, relation client, fournisseur, et après lui. Il ne faudra pas que demain, ses enfants viennent collaborer avec toi, te laisser dans les conseils de machin, truc, parce qu'un jour, il a eu à collaborer avec toi, alors que vous n'avez vraiment pas. Hein? Et ce n'est pas contre toi, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Si Stéphanie Bidane ne te gère pas, elle a ses chats fouettés. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours vous synergiser pour être des carnivores contre les herbivores? C'est le champ lexical qui m'énerve. Et cette égomanie, ce culte de la personne, je suis leader, j'ai réussi, j'ai créé une philosophie, j'ai créé, oui. C'est après Pougala que la diaspora parle d'entrepreneuriat. On le reconnaît ce mérite. Et j'ai de la bienveillance. J'ai compris, il a parlé avec en parabole. J'ai compris. Toi, tu rétorques, tu dis. Nia, 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 nia. C'est la maladie, c'est le pop-tron que tu as dans la tête, le vrai pop-tron que pop. Il doit faire la collaboration. It's not by force. Ils ne font pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Bois de l'eau. Prochain conseil. Les diagnostics. Maintenant, ils sont en train de donner les médicaments. Je comprends. Au sommet. En fait, au sommet, on est seul. C'est vraiment quand tu es dans un mindset. C'est pas pour rien qu'on conseille que tu vois. Il ne faut pas marcher avec les faux amis, nanana, parce qu'il te faut un moteur, un dynamisme. Il faut rester focus. Soit tu avances avec les gens qui ont cette même vision, ou du moins semblable, mais normalement, dans ton domaine, tu vas te retrouver seul. Ou en fait, pas tout le temps accompagné. Et je sais, tu te sens seul. Mais c'est le sort des leaders, des pionniers. Et Pougala, lui, il a trouvé ça. T'a donné les informations. Concentre-toi sur un client ou ceci, ou ma relève en tant que papa. Parce que d'habitude, on dit, voilà, la première génération va à pied au travail, elle se bat, machin, truc. La deuxième génération va en voiture de luxe. Je ne peux pas citer de marque. La troisième génération va en vacances. Et tout, et puis, ou la quatrième, même en fait, se met à étudier là.
Et l'argent est fini, hein, c'est bon. À partir de la cinquième génération, il faudra recommencer à zéro. Vous allez vous retrouver à pied. Parce que mon âge, j'ai voulu être artiste. Et puis voilà. Très peu de footballeurs, ils sont nombreux à vouloir être footballeurs. Mais combien sont vraiment des étouffistes, des Didier Drogba ou des Mbappé qui coûtent je ne sais pas combien de millions. N'est-ce pas? Donc, quand on est au sommet et qu'on se sent seul, on ne force pas le contact. On ne débloque pas un niveau de maladie. On ne sort pas le pop-corn qui est dans sa tête. On se calme. On boit un bon coup. Et on se demande pourquoi est-ce que j'ai commencé. C'est ce qu'on appelle l'ikigai. Know your why. Il faut savoir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est là que tu trouves. Tu vas aller puiser ta motivation. Pas comme moi, là, puiser dans. Je sais quel babadage. Mange d'abord et bois d'abord. C'est ça, en fait. Donc, n'oublie pas pourquoi est-ce que tu as commencé. C'est seul, là, au sommet, franchement. C'est comme la pyramide. Hein? Il y a les herbivores pour utiliser. Et puis, il y a les carnivores. Les carnivores sont en haut, ils sont seuls. Et la solitude, il faut savoir la supporter. Parce que après, quand tu vas redescendre, tu vas à tout prix t'asseoir à la table des herbivores. Oh, empoisonnement, oh. Oh, ma frappe, oh. Comme, bref, il y a des histoires bizarres. Tu secoues la tête. Parce qu'on dit, quand tu es dans une pièce et que tu es le plus intelligent, ce n'est pas ta place. Sors. Maintenant, tu te retrouves, tu es carnivore, tu veux t'associer à d'autres carnivores. Il te dit, les lions ne chassent pas ensemble. Yes, it's lonely up there. Les lions ne chassent pas ensemble. Petit frère, concentre-toi sur l'essentiel. Tu es client, tu es fournisseur. Voilà ce que moi, je dépose sur la table. Qu'est-ce que tu apportes? Let's talk. Moi, je salue franchement cette sortie. Il n'était même pas obligé de sortir. Mais je crois que c'est un papa qui, voilà, il a fait un peu il a pris son évangile, il a un peu vendu sa formation. Voilà, le soleil qu'ils ont eu maintenant vous conditionne. It's all good. C'est bon. Achetez le bout là où elle est attachée. Donc, docteur Numbissé, grand frère. Clo-clo, faut venir doucement. Not by force. S'il daigne te répondre, ou s'il daigne parler avec toi, ou s'il daigne partager, ou voilà, collaborer avec toi, c'est son bon vouloir. C'est parce que ce jour-là, peut-être, il était content, whatever. Mais ce n'est pas forcé. Vous n'êtes pas forcé. Je vous suis tout, presque tout. Je vous connais tous. Mais c'est pas forcé. Que coucou. J'ai fait un coucou à ceci. J'ai fait coucou. Ah, coucou, coucou. C'est quoi ce chalot du panda? Coucou. Fais un coucou. Tu es seul. Il faut que les Africains le comprennent. J'ai ton couloir. Il y a une ville en Chine. Ils sont spécialisés sur tout ce qui est vannerie. Donc, tout ce qui est. Panier en vannerie, ce qu'on appelle au pays le rotin, je crois. Tout un village, c'est pas parce qu'ils ont collaboré. Un a commencé, on a vu qu'il s'en sortait. Au lieu de l'empoisonner, au lieu de le jalouser, au lieu de le forcer, au lieu, on a dit, mon frère, tu fais comment? Je copie aussi. Oh, on a critiqué les Chinois qui copient, mais ils copient finalement, on se retrouve. Il y en a assez pour tous. Si tout le village se retrouve à faire dans la vannerie, c'est ça. Voilà l'Ukraine et la Russie, le blé. Poutine qui va faire mainmise sur le blé. Alors quand Poutine attaquait, j'ai vu des Africains applaudir. Enfin, quelqu'un a répondu aux Occidentaux. Moi, je me rappelle, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mon frère, vous êtes des Africains, vous refusez de manger le manioc, vous êtes content quand les producteurs des éléphants ou les carnivores, les lions du blé sont en train de se battre. Quand les éléphants se battent, c'est la savane, c'est la forêt. Quand les pachydermes se battent, c'est la forêt qui s'ouvre. Vous avez là les petits, je ne sais pas quoi.
C'est dit même vers les terres, même peut-être c'est clément, c'est bienveillant. Donc, restons concentrés sur les choses importantes. Vous pouvez tous briller, vous n'êtes pas obligé de devenir des comores, comment on appelle ça? Des météores, tant pour moi. Pour qu'on vous voie plus. On vous voit, vous êtes des étoiles, indépendamment. Vous êtes des étoiles, continuez à briller. Ne forcez pas la collaboration. On ne veut même pas la collaboration. Des élites, des leaders. Ce mot-là m'énerve. Avec des grandes ambitions, les plans. C'est le même schéma, c'est ce schéma, c'est-à-dire ce schéma d'élite, de privilégiés, de bourgeoisie, de, c'est pas ceux qui ont brisé, comme on dit au Cameroun, ceux qui ont percé, qui ont créé, qui ont whatever, qui étaient les premiers à faire quelque chose, des pionniers. Non, non, ne fermez pas juste la porte derrière vous, tout ce qu'on demande. Ne fermez pas la porte, ne vous cachez pas devant le soleil. Allez, mettez-vous au soleil, prenez de la mélanine et ne faites pas en sorte que nous devenions, je ne sais pas quoi. Nous aussi, on a besoin de vitamine D. Donc, poussez-vous, il y a assez de place pour tout le monde au soleil. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter là parce que. Très important. Moi, je suis focus. Tu sais quoi? Il faut d'abord manger. Donc. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, tellement à dire sur ce sujet. Mais cette maladie dont souffre le docteur Med, Noumbissier, franchement, nous sommes tellement nombreux à nous pavaner avec cette maladie et croire que nous sommes bien portants. Je fais abstraction de tout ce qu'il y a comme ego et tout ça. Franchement, pour arriver là où ils sont, quelque part, il faut un grain d'arrogance. Voilà, c'est rare de ne pas le trouver chez les leaders. Voilà. Mais c'est cette gangrène, en fait, dont plusieurs d'entre nous souffrent, c'est ce entitlement, ce ayant droit. J'ai droit à une collaboration. Et le Bougala doit me faire, il doit me faire ça à condition que. Il n'a rien à cirer de toi. C'est d'abord un professeur. Et ce qu'il a fait pour la communauté, pour la diaspora, d'abord. C'est-à-dire, je ne connais vraiment pas tout son palmarès. Moi, je vous ai raconté ma petite expérience. Les gens qui sont partis de fêtards à entrepreneur, machin, truc. C'est du Pougal, c'est parti sur lui. Bon, maintenant qu'il a la folie de Messi, peut-être qu'il s'est adapté à ceux qui ont du succès sur le territoire africain. Ça, c'est juste une supposition en parlant de religion et en parlant peut-être pour remplacer une par une autre. Whatever. Mais reconnaissons-lui ce mérite. Voilà. On est passé de brocanteur à je veux créer ceci, je vais ouvrir, je vais acheter le terrain, je vais faire de la tomate, je veux faire des bananiers, cacahuètes, c'est pour gala. Si vous connaissez notre nom, corrigez-moi. Peut-être que je suis malade, il ne sait pas aussi. Je serais ravie de savoir ce que tu penses de cette petite sortie. Elle est un peu longue. Merci d'avoir vraiment regardé jusqu'ici. Pardonnez-moi. Souvent, mon manque de structure, c'est l'heure. Hein, franchement, je suis focus ailleurs. Ça, c'est un hobby. Et des fois, la concentration n'y est pas. Je ne vais pas mentir. J'ai une journée à l'heure où je parle de 20 heures. Là, maintenant, je suis fatiguée. J'ai fait du sport, franchement. Mais c'était le lieu pour moi de sortir et de parler de cette maladie et d'expliquer d'où ça vient. Parce que voilà, on est parti sur la base que nous sommes des communautaristes et ça ne marche pas dans la structure monétaire, dans la structure économique, voilà, dans le capitalisme. Voilà, il faut trouver. Pourtant, c'est même ça la solution. J'ai pensé, j'ai oublié. Voilà. La solution, en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Mais Pougala, lui, il essaye de résoudre ce problème en se concentrant sur sa progéniture, en disant, voilà, ma progéniture, ça, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en réalité, si je vois Porsche, si je vois L'Oréal, si je vois, c'est quoi, Versace, ce sont des familles. Si je prends, voilà, il y a tellement de gens qui se mettent ensemble
parce qu'ils ont peut-être le même sang, peut-être parce qu'ils ont, je sais pas, ce sont ils viennent du même village, mais tu ne vas pas ouvrir la porte à tout le monde parce que tu dis, voilà, ce sont mes compatriotes. Il y a un certain tri qu'il faut faire, même en termes de famille, c'est pas avec tout le monde dans ta famille que tu fais du business, tu fais des affaires. Voilà, et il faut aussi penser à l'après-business, à l'après-projet. Donc, c'est clair que les sociétés qui arrivent, les gens qui économiquement ont du succès, une partie vient des structures familiales. Tu te regardes les restaurants, tout ce qu'il y a comme kebab, c'est vraiment très familial. Et des marchés, des supermarchés qui font comment on appelle le système de McDo là, en franchise. Tu vas voir beaucoup de familles font dans les supermarchés où ils prennent les franchises en famille. Ils savent déjà comment est-ce que leur franchise. Bref, c'est aussi ça la solution. Et je parle souvent du communautarisme, d'un héros qui rentre et qui ne ressort pas directement comme un ping-pong, mais qui met l'homme parce que voilà, on le partage avec nos frères. Hein. Je pense aux Chinois quand on faisait la fac, la fac se plaignait qu'ils ont tous un modèle de réussite, de mémoire. C'est pareil en termes de linguistique. Voilà, le chinois, c'est pas l'allemand. Faut pas qu'on se trompe. Mais il y a un qui a eu un truc qui a brillé et il a donné le schéma. En fait, les autres, ils calquent et ils adaptent à leur sujet de mémoire. Et c'est comme ça allait vite, ils finissaient vite. Par contre, nous, quand on va dire, oh, voilà un Africain qui brille, il va se placer devant le soleil, briller encore plus. Vous devez vous coucher par terre, lui dire, oh, amen, 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 oh, disciple, oh, carnivore et machin, truc. Voilà. Et c'est clair que le communautarisme, ça fait partie des solutions. Mais it's not by force. It's not by force. Personne ne te doit rien du tout. Voilà. J'allais terminer. Même comme c'est cette fois-ci vraiment. Voilà. Salut.